Alors du coup, Police Simulator, un jeu Ah ouais, sur tu décris le lequel jeu. je m'étais tapé des fous rires de fou avec Maj. On est d'accord qu'il est pas ouf le jeu. Oui, mais c'est ça, mais c'est le fait d'y jouer à deux. En solo, je pourrais jamais jouer, tu vois. On a débloqué un véhicule Ouais, tout un terrain. nouveau véhicule débloqué. Mec, on dirait Inox Tag, mon avatar. Quoi couper, appagnant. C'est pas du tout Inox Tag, mec. Attends, il faut que je quitte, il faut que je mette le jeu en français. J'ai l'impression qu'il s'est réinstallé en anglais. Ou alors j'y jouais peut-être déjà en. Oh, j'ai le panneau stop police. Mais mec, ça va être incroyable. Faut juste que je sache comment mettre le jeu en français et tout va bien. Mec, on a un nouveau quartier. Language option. Mais attends, mais c'est où language option quand je vais sur un autre jeu? Mec, il est en français chez moi qui suis Baragouin. Mais pourquoi moi j'ai même pas l'option de langage sur mon bureau? Parce que genre sur les Sims, tu sais, enfin sur n'importe quel jeu, tu peux changer la langue. Ah, oh peut-être que tu dois la changer en jeu. Ah mais mec, mais tu fais tellement l'ancien. Tu te rends compte que t'as réfléchi Quoi? à l'ancienne en mode Quoi? il faut qu'on change ça dans les fichiers du jeu ou sur Steam. Ah, pourquoi mais j'en sais rien moi. Je suis un vieux moi. Je suis vieux. Je m'appelle Weber. Ah, je comprends pas tout ce que la technologie. C'est hein. un peu compliqué. Ah. Je suis là avec mon vieux poteau Babas. Ah oui, putain. Effectivement, cette sauvegarde a été créée avec la version en accès anticipé. Oh, son utilisation peut provoquer des comportements inattendus. Nous vous recommandons d'utiliser une nouvelle sauvegarde. C'est Mais mort. On avait trop C'est progressé. Mort. Eh ben ok, bah on va recommencer alors, super. Bah merci. On recommence à zéro. Il faut qu'on retourne à... aux origines, je pense. Ok. Alors moi, je vais. Il être... y a toujours que 4 choix. Hein. C'est terrible. Tu peux être non, Frank bah... Miller, Aaron, Noah ou Danny moi, Lopez. J'ai envie d'être. Ashley. Non, t'es sérieux, tu vas pas faire une meuf. Ouais, t'as raison. Je commence à Melting Pot, j'ai pas le choix. Oh pétard, on avait tout débloqué en plus. Ouais, mais on va redébloquer, c'est pas grave. Du coup, c'est moi Bébert, maintenant t'étais Babas. Ah, c'était le contraire avant? Ouais, je crois que c'était. Non, non, c'était toi Babas. Ok, alors tu veux une patrouille de 15 minutes, de 20 minutes, de 25 15 pour minutes. Qu'on débloque vite les. Attends, hey, tu me laisses finir par contre. De 45 minutes, ouais. De 60 minutes, ouais. De 90 minutes. Ouais. Tu veux que je répète? S'il te plaît, ouais, j'étais pas sûr. Ok, de 15 minutes, ouais. De 15 minutes, ouais. Ou de 15 minutes. Tu peux répéter encore une fois, s'il te plaît. Ok, alors, écoute bien. Ouais, j'écoute bien, j'y mets le casque. La durée des patrouilles. Ouais. 15 minutes. Ouais. 15 minutes ou 15 minutes. Mais du coup, on prend quelle durée de patrouille? Stop it now. Non, mais mec, t'avais dit que tu prenais Danny. Ah, on est pareil, mais on est jumeaux. Baba, c'est okay. Bébert. Baba, c'est Bébert, les jumeaux. Bonjour. Stop moving now. Oh, une cinématique. Je t'entends la taser derrière alors qu'il y a l'autre qui parle. C'est quoi ce bruit? C'est une bagnole. J'ai rien compris du tout, je vais pas du tout me rappeler de ce qu'il a dit. Oh putain, elle fait là. J'espère qu'on va pas faire de bagnole. Oh oh, stop shooting. Elle est armée, elle est armée. Oh. Mais putain, votre partenaire a commis des violences policières. C'est quand elle était au sol, ça comptait pas. C'est quand elle s'est levée que la bagnole. Babas, n'oublie pas, les violences c'est seulement la nuit. Putain, c'est pas grave, mec. C'est pour ça que toi et moi, on est frères. Tu te rends compte qu'on a fait une bavure sur la première personne qu'on a croisée. Eh, c'est plus la même. Oh putain, elle est armée. Elle est noire. Bébert, tu vas lever les mains, s'il te plaît. Mais c'est toi qui tire à chaque fois. Attends, on peut pas se tirer dessus entre nous non plus. Je trouve pas mon Mais arme. Où le flingue? Y a des mec, on perd des points. On perd des CP. Des CP, mais je suis pas en CP, mon pote. Ok. Ok, toi t'arrêtes. Tu déconnes pas, frère. Et il était sus, hein. C'est on grave, est d'accord. C'est grave, suspect. Je lui parle, je lui parle. Demandez la pièce d'identité. Je l'en joue, t'inquiète pas s'il fait le fou. Ouais, t'inquiète. Ok, on est en quelle année? 2002. Je crois qu'il a une carte d'identité fausse. Comme ça, devant le commissariat. Mec, mais tu m'as dit on est en 2002 et il a 2020, lui. Ok, vas-y, je l'arrête. Ça dégage. Oh là là, on est vraiment les meilleurs frères. Alors, t'inquiète pas, on l'en joue. T'as mis en joue le flic, il a essayé de lever les mains. Ah, t'arrêtes, tu t'arrêtes toi aussi. Il est suspect. Ah, tu bouges pas. Allez, mort sur la il tête. Il bouge plus. Ah bon, je m'en occupe, prends la bagnole. Tu crois qu'on peut taser un flic? Prends la bagnole. Ah, oh casse-toi. Il ne reste plus que 20 points. En fait, on l'a fait exprès, c'est pour que le jeu soit très dur. Oula. T'as vu comment il est garé, lui? Ouais, et alors c'est pas une place handicapée ici, hein. Contravention pour stationnement, hein. C'est un taser, madame, vous inquiétez comment pas. Comment tu parles mon... Oh,
C'est encore toi qui nous fait échouer. Je t'ai dit de te calmer. On fait comme maman nous a appris, ok? Ok, on tire sur le premier qu'on croise. Non. Donner des contraventions de stationnement. Mais mec, j'avais oublié que c'était ça le premier niveau. Mais oui, c'est pour ça que je voulais pas recommencer. Oh là là, mais on a perdu notre train à cause de l'early access. Mais oui. Bon bah, on fait comme la fois, on se disperse, hein. Sperse. Si bon, t'en prends un coup de feu, c'est qu'il y a un mec qui m'attaque. Ok. Oh là là. T'en as trouvé une fraîche là? Oh, celle-là. Elle est sur le trottoir, mon pote. Ça dégage. Tire dans les pneus. Après, t'appelles le remorquage et puis tu la vires, hein. Mais je vais pas virer une bagnole pour deux roues sur un trottoir, quand même. Non, mais mec, deux roues sur un trottoir, tu sais ce que c'est? C'est vrai qu'aux États-Unis, les routes, elles sont super grandes. Il se prend pour qui, lui? Ouais, non, mais c'est n'importe quoi. Il a la place, s'il veut, hein. Ça dégage. Je peux prendre le métro dans le jeu? Je crois pas. Ah ouais, Oh, y'a un mec là! Stop! On est dans une ville. Y'a un mec qui m'a traversé! Ouais, mais t'es pas obligé de l'arrêter pour ça. What the... Je te rappelle qu'on est obligé d'avancer, hein, si on veut. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on est professionnel. Ah non, je... Qu'est-ce qui branle? Tout va bien. Je peux l'arrêter, le feu rouge. Qu'est-ce que t'as fait? Mais non, j'ai tiré dans les pneus de la voiture! Mais non, mais faut pas faire ça! Mais ça voilà. On est reparti pour 15 minutes. Bon, il faut qu'on soit sérieux, bah, Ok, t'as raison. Allez, vas-y, tu sais quoi? On fait un concours, ça va nous mettre le bonheur. Ok. Le mec qui met le plus de contraves. Tu peux pas fouiller quelqu'un? Mais non, mais arrête! Je sais qu'on est sérieux, ton premier truc, c'est de vouloir refaire un truc. Ok, celui qui met le plus de contraventions, c'est parti! Oh, y'a un mec qui vient de traverser illégalement, je vais être obligé de l'arrêter en plein milieu de la route. Complètement, mec, vas-y. Hein. Traverser illégal, mais ça va pas dans ta tête! Contrave! Mec, je suis déjà à ma troisième là. C'est génial, j'ai appelé tellement de dépanneuses qu'elles font la queue. Attends, mais moi j'ai arrêté un mec physique. Est-ce que ça compte pas pour deux contraves? Non. Arrête, j'ai dû lui courir après. Non. Mais non, mais t'as pris la meilleure rue, toi, ça se voit là, ça me casse les. Ok, je veux pas te mettre la pression, mais j'en suis déjà à 5, hein. Regarde, viens voir l'état de l'auto là. Et comment je fais pour la contrave pour ça? Oh ouais, mec. Tu roules pas avec ça, ça va pas ou quoi? Non, moi je roule pas avec ça, mec. Maman nous a toujours appris à ne pas rouler avec des trucs dégueulasses. Hein. Lui par contre, tu lui as pas mis contrave, elle est pour moi, je suis désolé. De quoi, où ça? Il est sur une place handicapée, il se croit où lui? Elle est pour toi, t'as raison, prends. Moi j'en ai déjà fait 5, tu sais, hein. je suis pas sous pression. Hein. Hop. Alors lui là, c'est des panneuses instantanées lui. Ah ouais? Le mec il est carrément, le trottoir c'est le trottoir à son père. Je suis en train de continuer la patrouille. Putain mec, on est en train de se courir de ouf, on va avoir une trouille. Mec, je suis à 7, hein. C'est pas grave, moi tu sais je prends mon temps, hein. Non, on a dit qu'on faisait un concours. Mais pourquoi je perds des points là? Il y a marqué expired. Ou c'est toi qui perds des points là? Non, je fais rien là. J'oublie les plaques. Mec, va falloir qu'on se calme, il nous reste 45 CP là. Alors moi j'en ai 80, donc c'est toi, donc faut que t'arrêtes. C'est séparé. Ok, bah au pire je m'arrêterai à 5, tu vois. Fais gaffe avec ça quand même. Ça finit quand? 15 minutes on a dit. Mais c'est quand 15 minutes? Je sais pas. Parce qu'on s'ennuie quand même, hein. C'est pour ça que j'avais pas envie de le refaire, ce niveau de merde. Bah oui, moi aussi. Quelqu'un vous a salué? Bah oui, bah trace ta route, c'est bon, oh. Genre là, par exemple, il y a marqué no parking. On est quel jour, là? Tu vois, c'est ça la question aussi. En haut à gauche, regarde. Comment ça, en haut à gauche? Ah oui, on est lundi. Oh putain, t'es un génie, mec. Oh, lui, il était périmé en 2021, là. Oh là 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 là, monsieur. 2021 ici aussi, ça dégage. Bam, allez, hop là. Bah, j'en suis à 15, mec. Bah, je suis à 8, c'est pas grave. Hein. Bah, par contre, moi, j'ai toujours 80 CP, donc... C'est pas grave, c'est de l'opti de perdre des CP, hein. C'est comme perdre des vies dans un jeu vidéo, hein. Chat, vous en pensez quoi? Comment ça, chat, vous en pensez quoi? T'es capable de penser par toi-même, non? Non, j'arrête de penser par moi-même, je crois qu'à travers mon chat. Ah, mais on est en novembre 2022, là. Mais putain. Pour ça que je me faisais avoir. Par contre, ça finit quand là? Mais 15 minutes. Oh, regarde, il reste un petit truc blanc là. C'est tout petit. C'est long, mage. Mon live. Oh là 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 là, ils sont tous en 2021. Hop là. Ah. Ok, et ben maintenant il faut qu'on rentre du coup. Bah, moi je rentre chez moi. Hein. Ouais, mais je sais pas comment on fait pour rentrer. Bah, tu rentres chez toi. Éteins ton live, tu rentres. Hein? Feur. J'ai dit un, j'ai pas dit quoi. Quoi? Feur. Tu vois, moi je suis un vrai pote. Tu vois, je te tends des vraies perches. Merci, mec. Moi je veux au Sinoche là. Il y a un Sinoche. Bon, moi je suis rentré, moi je suis prêt à finir mon service. Cette personne vient de traverser légalement. Non, mais c'est bon, j'ai fini là. Aujourd'hui, j'ai bien travaillé. J'ai tué personne. Maman, je n'ai pas tiré sur qui que ce soit. Alors t'as fait combien de stationnement, mec? Ah, mais non, c'est cumulé. 5. Ah, moi j'ai fait un. C'est quoi ça? Bah, on a débloqué des trucs, mec, sois heureux un peu. Je t'amène à Beaufort, mon pote. Beaufort Landing. Putain, j'adore le Beaufort. Let's go. Tu sais que jeudi, je ne live pas parce que je suis invité à une raclette à volonté. Oh là là. J'ai pensé à toi. Il y a beaucoup de lives que tu fais pas, du coup. Allez, toi, tu vas. Putain. Putain, tu as tiré dans le ventre. Elle a dit, please don't shoot me. Et je lui ai dit, tu vois,
Moi quand j'entends please don't shoot me, ça, c'est réflexe, tu vois. T'as entendu shoot en fait. Oh là là, encore des mecs mal. Non, pas encore des contraventions de stationnement quand même. Si. On peut pas faire autre chose. Non. Bonjour, vous avez constaté une infraction. Abandon de détritus, madame. Allez, contravention, bam. Je te rappelle qu'on a un nouveau pistolet maintenant, si tu voudrais faire des trucs un peu plus intéressants. Dis-moi bonjour, toi. Dis-moi bonjour. Oh, t'as perdu des CP avec un piéton, qu'est-ce que t'as fait? Non, j'ai rien perdu. J'en ah non, gagné. C'est moi. Alors, bah, qu'est-ce que t'as fait? Rien. Qui a jeté les déchets à côté de moi? Qui a osé? Monsieur oh, là. Oh, pétard gelé. Oui. J'ai pas de voiture, hein. Je fais ce que j'ai. Hein. Alors là, mec, j'ai trouvé un truc. C'est ouais. Incroyable. Mec, je suis en train de travailler là. Il faut que tu viennes. Mais arrête de parler, j'arrive. Non, il a disparu. La... Allez, bam. Can you send a wreck to my current location? J'appelle des renforts. Mec, allez, y'a un mec qui me pointe avec son gun. Mec, mec, je peux pas venir, y'a un mec qui me pointe avec son gun. Mec, on est attaqué, je crois. Ouais, c'est un battle royale, je le savais. Oh là là, mais pour l'instant, je suis en train d'avancer doucement vers lui là. Je m'enfuis. Tu t'enfuis? Et moi, attention, la personne elle est en train de s'enfuir aussi. Oh merde, t'es vers où? Bah, je tire dessus. Non, tire pas dessus, tu m'as volé de ma mûre. T'as vraiment tiré, t'es un taré, mon gars. T'inquiète, je sais viser. Pour moi, c'est une erreur grave de tirer. Une balle en l'air, tu vois, en ville. Tu penses? Comment ça, tu penses? La police municipale. Oh, par contre, je viens de voir que t'avais laissé passer un truc, ça, mon pote. Ça dégage. Ah, mec, je te laisse des petits cadeaux quand même. Toi aussi, tu m'as laissé un truc. Quoi? Tu m'as laissé une carte, un truc périmé qui n'avait pas été. Mais je l'ai mis, hein. Non, je viens d'avoir les points, alors non. Bah, je crois que c'est. Enfin, mec, arrête avec. Je viens d'avoir et les là, points. Et là, tu m'en as laissé une autre, là. Oh là là. Mais mec, j'ai fait toute t'es la pas vie, sérieux arrête. Empiète trop sur la route, tu l'as pas fait, il a pas de contravention là. Bah si, mec, j'ai fait non tous les mecs de la rue. Non. Tu baragouines quoi? Genre, pour toi, je sais, j'ai fait une rue et j'ai vraiment contraventionné personne. Tu penses pas aux choses, c'est... Maman, c'est pareil. Elle t'a toujours dit que tu faisais pas attention. C'est pour ça que c'est moi le grand frère. Moi, j'ai une minute de plus que toi, n'oublie pas, hein. Cramé, regardez ce frère qui oublie de tout contraventionner là, c'est terrible. Sur le trottoir, monsieur. Arrête-toi. Handicapé ou pas, j'en ai rien à foutre. Même si une voiture sur deux, c'est des handicapés facile. Dans cette ville. Oh, j'ai encore eu plus 0 points. Je me demande si ça a un rapport avec le fait de ce que j'ai fait ou pas fait. Pas bien, mais t'as vu comment elle marche? Tu lui fais peur, mec, aussi. Arrête de braquer les gens. Mais tu la vois pas bugger là? Oula. Mais laisse-la tranquille. J'ai perdu des CP. Bah oui, tu braques quelqu'un dans la rue. Mais elle est trop bizarre, elle bouge pas. C'est hyper sus, on dirait un androïde. Le mec, il la pourchasse, il la pointe avec son. Elle est bizarre dans ses réactions quand même. Je l'ai pas débloqué, j'arrive pas, je comprends pas. Mais elle se déplace comme si elle avait un skateboard. C'est vraiment alors, très étrange. Elle a le droit d'avoir un skateboard. Fais attention à tes CP, t'en as plus beaucoup. T'inquiète, la situation est sous contrôle. Tu sais que je vois une voiture sur laquelle t'es passé, sur laquelle t'as mis un PV. Ouais, ouais. Il y a deux PV, et t'oses me dire que... Insupportable. Bon, je comprends pourquoi tu perds des CP, tu mets des prunes à des gens qu'on a déjà. Écoute, je suis pas dans la finesse. Hein. Cette personne vient de traverser. Doucement, tu arrives comme une flèche là, tu lui fais peur. Non mais la braque pas, mais ça va pas. Constater une infraction, traversée illégale. Elle est bourrée frérot, mais arrête là. Contravention, ouais elle est bourrée, c'est sûr, ça se voit qu'elle est bourrée. Mec, elle a une bouteille de bière à la main. Oh, consommation d'alcool sur la voie publique, contravention, double contravention, let's go. Ok, maintenant je la fouille. Mec, elle va pas très vite, là je suis sûr qu'elle a des trucs illégaux là, c'est sûr qu'elle est dans l'illégalité là. Elle a de la Marie-Jeanne, j'en suis sûr. Elle a des cigarettes. Mec, non, fais gaffe! Tu l'as braqué! C'est elle qui me braque. Oh, elle a une clé. Elle est... Attends, mais ça fait sa troisième infraction, hein? C'est abusé, hein? Direct en prison, tu lui mets 3 ans ferme. Non, mais je vais pas la mettre en garde à vue. Allez, je la laisse partir. T'es comme ça, toi? Ouais, je suis un mec bien. Franchement, je suis un mec bien. Bon, on a été efficace en tout cas, hein? Je suis en train de suivre un mec suspect là. Moi, je rentre au poste. Il est en train de déranger une jeune femme. Non, mais viens, il faut qu'on ait les voleurs là. Ça peut plus continuer comme ça. Il faut qu'on monte en grade. Hein. Mec, tu le vois là en face là. Regarde-le là. Quoi? Mec, tu vois quoi là? Parce que moi, je vois une meuf. Elle est assise et elle se déplace assise. Bah écoutez, moi peut-être que mon jeu il rame de temps en temps, mais au moins les gens ils marchent, d'accord? Non mais mec! Vous êtes magnifique, toi aussi t'es beau. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mec, on dirait un personnage de Minecraft! Oh l'accrochage, oh y'a des morts. J'arrive mec. Je vais t'aider. Oh là là. Oh, y'a combien de bagnoles impliquées là? Qui c'est qui a branlé? Mais moi j'ai de ces bugs de texture, c'est incroyable. Excusez-moi, Mister, qu'est-ce que vous avez branlé là? Qu'est-ce que t'as vu? Alors, ce conducteur n'a pas utilisé son clignotant, oh d'accord? Oh là là. Alors, n'oublie pas qu'il faut qu'on réfléchisse. Oui, il y a des mensonges. Moi je le fais souffler. Toujours. Ok, il est pas alcoolique. Test de dépistage, la drogue maintenant. N'oublie pas que des fois y'a de la merde dans la bagnole. Hein. Alors, moi, y'a le mec à la coupe afro qui m'a dit que.
il a un couteau. Mais c'est quoi ce bordel? Je suis en train de sortir de mon... Ah non, c'est... Il faut pas les laisser partir, il faut faire échappe. Qu'est-ce que t'as branlé? Ce jeu est bugué! Tu vois les oui. murs, oui. les murs jaunes, oui. Oui. comme la l'urine. Oui. Oui, oui, mon frère. Il faut pas que tu passes à travers. Sur mon GPS, non, je me rapprochais de toi, en fait. Oui, mais c'est pas possible que t'aies mis autant de temps à me rejoindre alors que j'y suis arrivé il y a 5 minutes. Mais parce que j'avais... Oh, non, moi d'abord. Voilà. Moi d'abord, non, mais il y aura pas... Voilà. Alors tiens, regarde, je vais te faire ton entraînement. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est mal magaré, ça. Ça, tu peux constater, stationnement, pas bien. Sur le trottoir, monsieur. Totalement sur le trottoir. Mec, c'était pas le cas. Il est où, s'il est pas sur le trottoir, là? Il est pas sur des places, là. Malgré vos soupçons initiaux, vous avez donné une contravention pour la mauvaise raison. Zone spéciale? J'en sais rien. C'est une zone taxi? À toi d'essayer. Appelle une remorqueuse, ce sera plus simple. Ah, bravo, hein. Oh putain, l'accident en direct devant moi. Attends, lui aussi vient de traverser illégalement. Oh là là. Oh bah alors là les gars, bah vous descendez tous de la bagnole. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai besoin de toi. Bébert, là il y a eu carton. Je crois que je suis témoin, tu vas devoir m'interroger en premier. Oh alors, oui, bah c'est juste, oh putain. Attends, c'était sous tes yeux, ça? Mec, c'était juste devant moi, ça okay. s'est passé. Alors oublie pas, faut prendre les photos. Toi tu descends par contre, d'accord? Fais pas genre l'innocent. Bébert, celui-là il est suspect, regarde-le, il veut pas descendre. Qui veut pas descendre? Oh, vous voulez pas descendre, monsieur? Non, c'est une dame, ça. Oh là, mais mec, fais bien le travail là, t'en oublies. Excuse-moi, je suis un peu sous le choc, moi je viens de voir un accident sous mes yeux, d'accord? Ok. Donc déjà, tu parles pas comme sa victime? Ok, alors voyons voir. Alors okay, monsieur, c'est bon, vous êtes en règle. Elle a pas de permis de port. Elle est craintive. Elle est née en 95, okay. Pas d'alcoolémie, c'est bon. Apparemment le mec que tu es en train d'interroger, il a coupé la route. On a la progression qu'à deux là. On a un procès verbal 1-1-1 approfondi là. Oh, elle a un shuriken. Non, vas-y, regarde si elle a un port d'arme. Elle a pas de port d'arme, elle a un shuriken, c'est quoi cette merde? Ok, 2023, c'est bon. Constater une infraction, je suis désolé. Est-ce que tu l'as fait celui avec des lunettes ou pas? Non, je suis pas encore. Okay. Speedrun. Moi, je fais les autres là. Je fais les deux sans. Tout à coup, cette personne a tourné. Pas de clignotant, rien. Ok, ouais, mais t'es bourré, mec. C'est peut-être pas ta faute, mais t'es bourré quand même. C'est illégal, ça. Constituer une infraction. Ah, ça va en garde à ça, mon pote. Hein. Conduite. Y a pas shuriken dans la liste, mais je la coffre quand même. Hein. Ouais, vas-y. Je trouve pas conduite en état d'ivresse. Si, y'a. C'est sous influence d'alcool. Oh putain, mec, il a une clé USB. Mais c'est un scandale! Vous êtes en état d'arrestation pour conduite en état d'ébriété. Veuillez-vous tourner si vous voulez. Ah, tu l'avais, toi? Bah, en fait, quand tu cliques sur narcotique, j'ai vu qu'après, il y avait alcool, en fait. Ah, c'était ça, ok. Ok, alors par contre, la nana, elle avait rien à voir avec les bagnoles, c'était juste une passante. Je l'ai coffrée parce qu'elle a un shuriken sur elle. Regarde, y'a le taxi complètement pété qui s'enfuit. Arrête-le. Il veut pas partir avec cette auto là. Oh le bazar. Ah mais y'a nos dépanneuses, elles sont bloquées, elles arrivent là. C'est bien, ce jeu est toujours aussi bugué, hein. Y'a nos dépanneuses qui arrivent mais elles sont bloquées là. Tout est bloqué, mec. Ça m'atomise. Être un héros, qui est là pour les accidents mais qui est aussi là pour... Moi j'ai des bugs de texture de ouf. Contrave. Pourquoi y'a 4 dépanneuses, ouais. C'est trop marrant ce jeu. Pourquoi c'est si cher? Vous êtes vraiment en colère? Bah écoute, j'en ai rien à branler. C'est bien là, on fait des points. Enfin, tu fais des points. Allez, t'as mis une contravention, j'ai un simple rappel à l'ordre, donc t'as gagné des points de boulot, mais tu perds des points de charisme. Mais je pense qu'on fric, moi. Ah, t'attends la fin de la patrouille, t'as arrêté de bosser, toi? C'est pas que j'ai arrêté de bosser, c'est plutôt que je te laisse le faire, tu vois. Alors que c'est un jeu où il y a des points et que plus on a de points, plus on débloque des trucs. Non, c'est pas vrai. Déchets. T'as craqué ton slip, on est d'accord. Deux. Mais lui, la totale. Oh là là, pour l'instant, je trouve rien. Hop là, est-ce qu'on va arriver aux 400 points? Oh, je trouve est-ce qu'on va arriver aux 400 points? Non, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas parce que Firou, il a fait preuve de mauvaise foi. Mais moi, en fait, j'ai des gens qui sont bizarres. Ça me fait peur. T'as pas une raison que ce soit bizarre, t'es pas dans ton métier. Mais c'est pas bizarre, mec. Il y a des aliens qui sortent du sol, en fait. Je crois que j'ai la version cursed. Oh putain, y'a des morts, mec. Oh, j'ai besoin de toi. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? On aura y a des gens allongés par terre. Non, mais on n'a pas le temps. Attends, y a des gens au sol là, Fifou. Tu peux pas laisser faire ça. Mec, hein, je passe ma vie à voir des gens au sol. Non, c'est là, mes eux, bugs. Ils sont vraiment au sol. Moi, écoute, maman, elle m'a appris si t'es plus payé pour ce que tu fais, ça sert plus à rien. C'est bon, les ambus, elles arrivent. Ok, je confirme, je vois l'ambulance. Oh là là, c'est grave là ce qui se passe. J'arrive dans ta direction. Putain, mec, je fais tout ce que je peux là, mais j'ai besoin de toi. Tu m'as laissé tout gérer, j'en peux plus, mec. Hein. Bonjour, monsieur. J'ai appelé Nambu. Bonjour, monsieur. Demandez la pièce d'identité, madame. Demande ce qui s'est passé aussi. Hein. Apparemment, la tienne, elle est déchirée. Hein. On va voir. Et cette pièce d'identité est expirée. Tu me la dégages. Là, celle-là, elle va aller au. Ok. Elle a du chocolat sur elle, ça va.
Je la menote. Attends, c'est peut-être du chocolat interdit. Fait. Je la menote pour conduite en état d'ébriété. Hop, alors j'ai perdu des points, je sais pas pourquoi, de CP, mais je gagne beaucoup de points de SP. Non, mais il y a encore un blocage qu'on de a arrêté tout. Tu te rends compte qu'on a arrêté tout le monde là dans cette histoire? En fait, il faut que tu bouges là parce que lui il peut pas passer. Mais comment tu veux que je bouge? J'en sais rien, on va voir. Ah, c'est bon, il passe. Et la dernière ambulance arrive. Mec, on a 500 points. Ça y est, on a les 500. Attends, hey mec, viens, regarde, c'est beau. C'est beau ce qu'on a fait quand même. Et c'est quoi, on fait des heures sup là. C'est beau, hein, j'avoue, il y a une sorte de kiff. Est-ce qu'on va faire notre premier vrai nettoyage? On dirait. Ça semble plutôt bien parti. Hein. Et t'as vu par contre, hein, en France, on en a pas des qui marchent comme ça, hein, je crois. Hein. Si, on en a des qui marchent comme ça. Ouais, avec les câbles qui se téléportent. Non, mais sans les câbles qui se téléportent, on en a des comme ça. Non, mais fait, justement, bon. Il faut qu'on débloque les voleurs, je crois que c'est le stade après. Débloque les voleurs. Qui m'a dit, bah, vous aimez pas qu'on les débloque parce que s'il n'y a pas de voleur, il n'y a pas de vol. Ta logique est à toute épreuve, mon ami. Let's oh bon go. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, on a les bagnoles. Ah, let's go. Et tu sais que quand tu fais un accident maintenant dans le jeu, tu peux contraventionner les gens. Ah bah, Mike, c'est la première chose que je vais faire. Oh non, mais non. Je vais t'enculer, filon. Non, mais on a encore niveau 3, t'inquiète, c'est bon. Ouais, mais on a perdu la patrouille de voiture. Non, t'inquiète, va y avoir la voiture. Et voilà, on a des problèmes de stationnement encore. Non, mais t'inquiète, on va avoir la voiture. Ils nous ont remis au stationnement parce que t'as flingué un mec. Ok, effectivement, il se pourrait qu'on ait pas de voiture. Quelqu'un a flingué quelqu'un. C'était une bavure. Mais en fait, moi, ce qui me stresse, c'est que je vois des gens qui sont tout écrasés. Bah, ça arrive tout le temps, mec. Oh non, je me suis trompé. Oh, excusez-moi. Bon, je vous en mets un deuxième, du coup. Mais en fait, les mecs qui sont écrasés, j'ai envie de les contraventionner pour voir, tu sais. Genre, tu les contraventionnes parce qu'ils sont écrasés. Monsieur, vous arrêtez de ramper dans la rue, par contre. Vous faites peur à tout le monde. Demandez la pièce d'identité. Hop. Ça ressemble pas trop à la personne, tu vois. Hop. Ça picole, là. Ça picole. Ah bah alors là, ma petite Cindy, l'alcool, contrave, tout de suite. Voilà, tu te crois où, là? Oh. C'est bien, mon gars. Vraiment, c'est énorme comme somme. Bah, t'achèteras moins de bière, du coup. Oh, putain, elle a de la Marie-Jeanne sur elle. Oh non, vas-y, mec. Tu veux des renforts? J'ai un peu peur, je peux pas te mentir, là. Ok, j'arrive, là, je suis en route, là. Je prends sa carte d'identité, mais je pense que c'est... Oh, ah, tu m'as fait trop peur. Mec, j'ai sursauté. J'ai fait... Oh merde! J'arrête les blagues. Ah, apparemment, elle avait droit d'avoir de la marijuana sur elle. Ah bon? Oh non, c'est vrai que c'est les États-Unis. Ouais, il y a des limites, mais j'en ai rien à foutre, moi. Ah, le rapport Pietro! Hein? Le rapport Pietro, il y avait moins 30 CP non justifié, décharger le pistolet paralysant. Ah merde! Ah oui, quand même, tu l'as carrément déchargé. J'en peux plus de ce jeu. Faut dire qu'elle consomme moins de Marie-Jeanne maintenant. Oh, y'a un mec dans le métro qui est ultra sus là. Oui, je l'ai vu aussi, je fais quoi là? J'ai pas osé l'arrêter pour ça parce que je me suis dit on va perdre. Non, j'ai demandé son identité. Le métro, ça s'attend dans le métro, pas à l'entrée. Ouais, c'est un peu bizarre. Hein. Tout me semble bien. C'est peut-être un dealer, hein. C'est peut-être un dealer, je vais le fouiller. Ouais. Alors, du coup, il y a marqué, la palpation est justifiée lorsque la personne présente des signes comportementaux comme des tremblements, de la nervosité ou un comportement inhabituel. La fouille est plus invasive qu'une simple palpation et nécessite une cause probable que la personne conduite sous influence. Nanana. Ok, alors moi je fous tout le monde depuis le début. C'est bon, il avait que des calepins sur lui. Il nous faudrait un petit accident là. Oui, ou un petit meurtre. Hop là, 48 et on est où là? Rapport. Allez, putain, un jour il y a des machines qui me voleront mon travail, je le sens. Ok, je te fouille. Oh, elle tremble. Oh, elle fait! Stop! I don't want to shoot you! J'ai dit stop, I don't wanna shoot you! Et je l'ai shoot! Je crois que c'est une personne que j'ai arrêté genre 10 secondes avant parce qu'elle jetait des. Elle a du THC sur elle! Ah bah tu vois, je l'ai laissé passer ça. Je vais pas fouiller les gens comme ça pour rien. Ça tire avant de menacer. J'ai oublié de lui dire freeze. Elle a 56 grammes de marijuana, c'est pas possible. Ah, c'est beaucoup 56 grammes. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je suis un gâteau! Prends les vitesses et de temps en temps je te mets un petit coup. Dans la main, elle vient de boire sous mes yeux. Bah, tu l'arrêtes, mon gars. Elle, faut la marijuana, hop là. Oh, bah, tu sais quoi, on s'amuse trop qu'on a oublié qu'on avait terminé. Non, mais 56 grammes, on est d'accord, c'est du recel, hein, parce que 56 grammes, c'est énorme. Je sais pas, genre, c'est pour une bonne soirée, non? Une soirée, c'est quoi? C'est 2 grammes déjà. Vous êtes bien informé. Putain, mais là, j'ai envie d'un space gâteau tout à coup, là. Bon, on a survécu à cette journée. Je suis trop fier de toi, mec, parce que franchement, tu commençais mal la précédente. Mec, tu sais combien il me reste de CP là? Combien? 25. Ok, bah ça y est, on a des nouvelles patrouilles. Allez, est-ce qu'on a des voitures là? Alors, oui, on a des voitures. Alors, la vie de ma mère, s'il te plaît, tire sur personne. Ok. Tout à l'heure, je te jure qu'on a une voiture et dès que t'as flingué quelqu'un, on l'a perdu.
Donc je pense que les patrons ils nous surveillent. D'accord. Ah ouais, ils nous surveillent, genre ils nous dégradent. Oh, mec, ça y est, on a des autos. Ok. Let's go. Ah, fais gaffe, il y a les clignotants. C'est parti les gars. On part en inter. Oh, accident. Accident. Avec griffe rouge, chope là. Ok, alors c'est peut-être moi qui ai déclenché l'accident. Je le conçois. Comment tu parles aux gens quand ils sont dans les autos? Moi, ils veulent pas me parler. Bah, je sais pas, figure-toi, je suis en train d'essayer. Tire sur les pneus, vous êtes pire que moi, c'est ça terrible. Ça marche pas, hein. C'est bon, j'ai réussi. Sortez tout de suite. Vous avez le truc qui fume là. Ah, on fait moins le malin maintenant que la police était là. Allez, tu souffles. Ok, pot d'échappement qui fume là. Attends, il va y avoir une garde vue? No, I don't think so. Comment ça? Il a dit I don't think so. Tu vas te faire flinguer, mon pote. Contravention, bam. Allez hop là. 300 et 400, mec, ça y est, on rapporte de l'argent à l'État. Putain, ça va, c'est plus rigolo dès qu'on a une bagnole quand même. Hein. Ouais, j'avoue. J'ai déjà niqué la mienne, elle est en fumée, mais personne semble énervé. Alors par contre là, tu vas me redonner ta carte d'identité. Vu que ça, apparemment ça t'énerve, tu vas me la redonner et je vais fouiller toute ta bagnole. Il a un shuriken lui aussi, mais c'est quoi? C'est un délire? C'est d'avoir des shurikens comme ça ou Oh, il a un couteau à cran d'arrêt! Let's go! Tu vois qu'il est en train de taper des barres. Et hop là, il y a une tête humaine dans son coffre! En vrai, les policiers ils doivent être heureux quand il leur arrive un truc, non? Port d'armes illégales, port de couteau à cran d'arrêt. Ah, de croire que c'est un MMORPG la vie, mon pote, hein. Hop là! Intervention! Qu'est-ce qui se passe, bébé? Tu m'as appelé? C'est lui là! Ok, je m'en occupe! Il est où? Il est là! Mais attends, parce que je crois qu'on bloque. Oh. C'était un tasage? Pourquoi c'est violence policière? Oh, mais non! Par contre, elle nous dit de faire les stationnements. C'est, ça va pas ou quoi? Ouais, on prend la voiture. On part en inter, mon gars. Oh là, tu fais peur à tout le monde, ça arrête, mec. Tout le monde s'arrête, regarde. Let's go! Oh putain! Y'a un véhicule qui a pas utilisé le clignotant? Je crois que c'est pas le problème le plus grave qu'on ait là. Je me casse, c'est trop dangereux ici. J'ai un contrôle! Bon, je vais retourner aux origines, moi. Je vois une bagnole qui est mal garée. Oh non! Tu sais, bah j'ai pas le choix. T'as vu l'état dans lequel t'as mis mon 4x4? C'est pas moi! C'est pas toi? Non! C'est pas toi qui a niqué mon 4x4? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Excusez-moi, monsieur, c'est parce que je vous ai vu jeter des déchets en fait. Vous êtes en état d'arrestation. Oh, regardez-le là! Mon frère qui fait encore des déchets alors que moi je suis un. Bah oui, mais je suis un pirate de la route, quoi. Pas m'empêcher de faire mon travail, quoi. Moi, c'est dans ma nature, finalement. Comment ça, le feu? T'as un corps vert, j'étais derrière toi, espèce de connasse! Y'a outrage. Outrage à agent. Ça fait chier que je puisse jamais des contraves depuis ma voiture, vous savez, je jette genre avec un pistolet à contraves. Elle a un shuriken! Ça veut rien dire, je me suis déjà fait avoir, fais gaffe. Ah bon? Apparemment, shuriken, c'est un peu la marijuana chez eux. Elle s'enfuit! That's so much money. Et bah, la prochaine fois, tu feras attention. J'ai un 2-2. Où ça? Mais t'es hyper loin, mec, t'es à 900 mètres, je peux pas venir. T'as une voiture. Ok, j'arrive. Putain, faut que je la tase. Voilà, okay. Tu bouges pas. C'est bon, je l'ai. Ok, j'arrive, bouge pas! Y'a une voiture devant la mienne, j'étais en train de la fouiller, elle a paniqué, y'a un objet illégal. Mec, je commence à slide un peu là, ouais, au-dessus d'une certaine vitesse, ça devient difficile, hein. Ça sert à quoi de fuir, je sais pas. Oh là, mais c'est pas possible, c'est quoi cette conduite? À mon avis, ça doit être dans cette rue là. Ok, je crois que j'arrive directement sur lui. Oh là. Oh, la voiture a légèrement tapé quand même, hein. Ah, canif, couteau à cran d'arrêt, bah voilà, on a trouvé. Un peu. On va continuer de fouiller parce que bon, je continue de fouiller. Oh, sa mère, les voitures! Mec, je sais pas où t'es parce que tu roules à 70 km/h. Oh, patin, je vais monter. Oh non, t'es trop con, c'est pas possible. Mais j'allais à 2 à l'heure et tu m'as foncé dessus! Bah, j'allais monter avec toi, tu m'as gravement blessé d'après le jeu. Non! Mec, on y était presque, on avait fait la journée parfaite. Mais c'est ta faute, tu me fonces dessus, tu regardes pas les. T'es au milieu là, tu traverses n'importe comment. Tu dois être maître de ton véhicule, je veux dire, mec, respecte un peu. Oh, je voulais m'arrêter en plus. Bah, moi aussi, mais là on peut pas, parce que sinon, là, c'est-à-dire qu'on devra recommencer, on est obligé de finir. Là. Allez, on finit. Bébert, tu me ressens? Tu peux t'excuser à la dame, s'il te plaît, parce que j'ai un peu honte, là. Bonjour, madame. Je dis pardon de tout le postat. Excuse pour l'accident. Oh, tu dis excuse-toi la pour le la police et l'assurance. La police va s'occuper de tout. Mais c'est nous, la police. C'est nous, la police. C'est la preuve qu'on est des stagiaires.
pas là. L'état de sa gueule. L'assurance, ils s'en occupent. Ne vous inquiétez pas, madame. On a marqué 0 points. Mec, c'est grave. Hein. Si on veut level up, faut marquer des points quand même. Oh. Bon, bah vas-y, rage quitte. Non. On avait dit quoi quand c'est jaune? Ouais, en voiture, ils abusent. Je suis désolé. T'as vu ce qui se passe quand t'es en voiture? C'est pas grave, on fera la prochaine fois. S'il y a des professionnels du jeu, expliquez-nous pourquoi ça rame, parce que moi je comprends pas. J'ai l'impression qu'il y a que chez moi, t'sais. Attends, j'ai pas un PC de merde, hein, faut arrêter, hein. Allez, bah gros bisous, Maj. Bah bisous on à toi. On remet ça quand tu veux, hein.